l'idée première, c'était de créer un challenge réunissant plusieurs compétitions au sein d'une même association. Donc cette association s'appelant le Mountain Ski Tour SOMFI. L'association se chargeant de démarcher les partenaires et sponsors pour à la fois récompenser les meilleurs du classement général final de ces courses et également apporter une aide en matière de dotation à chaque épreuve. Alors les objectifs de cette association, c'est de regrouper, de rassembler et de fédérer tous les clubs organisateurs au sein d'une même association. Et donc de pouvoir faire connaître et reconnaître le ski de montagne au grand public à travers notre circuit qui comporte 10 courses sur les départements de la Haute-Savoie. Nous avons également un but caritatif puisque nous voulons et nous souhaitons aider les jeunes compétitrices et compétiteurs en leur apportant une aide substantielle qui est prélevée auprès de chaque inscription dans les différentes épreuves. Donc cette association a été créée en 2003, il y a maintenant 4 ans. Nous étions 6 clubs organisateurs à cette époque. Nous sommes 10 en 2007. Et vous comprendrez très bien que nous avons pratiquement atteint le maximum, puisque si l'on rajoute d'autres épreuves, nous allons perdre en qualité et en quantité. Donc il est possible encore de rentrer dans cette association en posant sa candidature, mais il faut rappeler que nous avons un cahier des charges qui est très strict et que chaque club organisateur doit respecter. Si ce n'est pas le cas, donc un club peut être écarté au profit d'une candidature nouvelle. En fait, la station de la Clusaz cherchait à développer d'autres facettes du ski en montagne. Et le ski alpinisme est une de ces facettes. Et donc, on était à la recherche d'une épreuve populaire à la fois et qui également attirait une partie de l'élite. Et on a donc créé notre compétition qui s'appelle La Grimpée du Loup. Et nous avons en même temps adhéré au Mountain Ski Tour. L'avantage de cette association est de fédérer et regrouper donc plusieurs organisateurs sur le territoire de la Haute-Savoie. Ceci nous permet donc de se faire connaître aux quatre coins de la Haute-Savoie, voire même ailleurs, au niveau des départements limitrophes et des pays limitrophes, car nous sommes juste à côté de la Suisse et de l'Italie. Depuis le début, nous approchons maintenant les 200 participants, ce qui est déjà une belle réussite en soi. Alors, ce genre d'épreuve, c'est très spécifique parce qu'en général, ce sont des montées sèches ou en tout cas des épreuves relativement courtes. Donc, cela nécessite d'avoir pas mal de résistance. Alors, en général, ces épreuves-là sont vues comme un bon complément pour pouvoir se préparer aux épreuves dites de ski alpinisme qui, en général, ont lieu le week-end. Donc, en général, l'élite vient s'y entraîner pour pouvoir faire une séance dite au seuil et travailler en résistance. Mais c'est un entraînement très spécifique. Je connais quelques compétiteurs qui, eux, ne font que ces compétitions-là, du Mountain Ski Tour, et donc travaillent dès le mois de novembre la résistance plutôt que l'endurance. Il ne faut pas se préparer à la Pyramenta que en faisant des épreuves du Mountain Ski Tour, parce que ça serait au détriment de l'endurance. En revanche, je trouve que c'est très complémentaire et ça permet en milieu de semaine ou parfois le week-end de faire des séances dites de résistance et qui permettent sur les départs en général des 4 jours de la Pyramide de pouvoir tenir un rythme soutenu pour être bien placé dès le départ. Sur pas mal de courses du Mountain Ski Tour, les gens du village mettent un point d'honneur à participer à la course qui s'y déroule. On retrouve dans une épreuve du Mountain Ski Tour aussi bien l'élite française et donc l'élite mondiale avec Monsieur Tout-le-Monde qui a son propre matériel, pas forcément le plus léger, et qui est là pour se faire plaisir et participer à l'épreuve de son village. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'affichage pour avoir sur l'aire de départ et d'arrivée beaucoup de monde qui viennent nous voir avec nos combinaisons de ski alpinisme et qui sont un petit peu interloqués, mais je trouve que ça fait partie du Mountain Ski Tour de promouvoir le ski alpinisme, et je pense que l'une des facettes du ski alpinisme, c'est aussi les montagnes.
des sèches.